Bonjour, aujourd'hui dans l'Espresso, je reçois l'acteur Philippe Basse pour une séance de pancration. Bonjour l'Espresso, je suis venu relever, enfin essayer de relever le défi de Vincent. Philippe, c'est quoi, c'est garde à vous? Garde à vous. Est-ce que tu connais le pancration? Alors je connais le pancras, je ne connais pas le pancration. Eh ben pour nous l'expliquer, Thomas et Sébastien. Bonjour. Bonjour. Salut. Explique-nous un petit peu la particularité du pancration. Alors le pancration, à l'origine, c'est un sport grec qui vient de l'Antiquité. Il a été repris par la Grèce, il a été codifié dans l'espoir d'aller aux Jeux Olympiques un jour. Et en fait, la particularité, c'est la veste de kimono. Donc voilà, avant, on avait une tenue qui s'appelait l'endima, elle a été modernisée depuis qu'on est rentré à la fila. Et donc, il y a le droit à tout, ça vient de pancratos, en fait, c'est celui qui contrôle tout. Donc il y a de la boxe, il y a du karaté, par exemple, debout. Il y a du judo, de la lutte, pour amener au sol, en transition. Le but aussi, c'est qu'on peut frapper au corps, au sol, pas à la tête, mais vraiment avec tout. Donc c'est assez complet. Ok, super. Il est où le saut? Pour vomir? Ah, oui. On l'a pas prévu. On l'a pas prévu. Ouais. Ça c'est propre. Parfait, bien. Allez. On y va. Tu te lèves et tu jettes. Donne tout, hein. Parti, allez, allez, on enchaîne. Retro. Super. Allez, les genoux. Le mec, il a une caisse de malade. L'espresso, il faut du café, non? J'en prendrais bien un petit, serré, avec un peu de sucre. Bon, c'est le moment du défi, petit combat. Petit bruit, c'est la guerre, c'est pas du clash. Résultat, tu clashes, c'est du sang que tu craches. J'accélère car je sens que tu craques. Viens plus dans la cage, pas d'ici, t'as du cash. Petit bruit, c'est la guerre, c'est pas des clashes. Résultat, tu clashes, c'est du sang que tu craches. J'en suis fier, j'ai souffert, c'est pas des pièces ou des points, c'est des pierres. Je ne pouvais rester en place dans une classe. Agité, j'avais envie d'aller me battre dans une cage. Étant fan de tempo, j'ai mis la paire de grande boxe. Depuis ça, j'ai le tibia, le plus hardcore de Bangkok. J'aime quand ça frappe, quand ça pète la cervelle. J'aime quand tu saignes, quand tu jettes la serviette. Lorsque la rue, c'est le pied droit de Procop. Ma coupe de casse des crânes et des noix de coco. Je m'entraîne dans des petites salles de crash. Je considère la comme un vulgaire sac de crap. Bienvenue dans la cage, Paris, c'est à du cash. Du bruit, c'est la guerre, c'est pas du catch. Résultat, tu clashes, c'est du sang que tu craches. J'accélère car je sens que tu craques. Bienvenue dans la cage, pas résultat du catch. Fais du bruit, c'est la guerre, c'est pas du catch. Résultat, tu clashes. Je fais passer 50 pour un petit zoulou. Rocky Balboa pour un bisou. Mes adversaires tombent comme des dominos. J'ai la haine, ils veulent moi Jérôme ou Géronimo. J'ai grandi dans la rue, le détour est dans nos doigts, c'est moi ma gueule. On l'a tué. Thomas, Sébastien, Philippe, merci beaucoup. Rendez-vous tout de suite sur le plateau d'Expresso. Pousse. Sous-vêtements taquini pour les plus classes des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait